Ouragan, c'est le titre de son troisième album. Elle se faisait appeler auparavant Lago de Wé et après Lago Galaxy. Coco Argenté a commis aujourd'hui un troisième album de 11 titres qu'elle a intitulé Ouragan. Et Sandrine Ango en a profité pour retracer le parcours de cet artiste Coco Argenté. Voici la chanson qu'il a révélée au grand public en 2010, Dans la tanière. Un titre qui a été bien accueilli par les mélomanes d'ici et d'ailleurs et qui a permis à Coco Argenté Lago de Wé de s'imposer sur la scène musicale. L'amour que lui ont procuré ses fans lui a donné le courage de croire à sa passion. C'est ainsi qu'en 2014, Coco Argenté devient Lago Galaxy et sort son deuxième album Trésor de 10 titres dans lequel on retrouve la chanson Fallait pas et bien d'autres. Fallait pas sur eux, fallait pas bien grouble. Un album mitigé, mais qui connut un franc succès. Un succès qui n'empêchera pas Lago Galaxy de relâcher prise. Tout au contraire, elle doublera d'ardeur au travail et pour ne pas refroidir ses fans, toujours aussi attachés à sa musique, Coco Argenté sortira de temps en temps des maxi-singles. En 2016, Crayon de Dieu. Et en 2017, Femme. Et cette année 2018, tel qu'un ouragan, ravageant tout sur son passage musicalement, Coco Argenté sort son troisième album de 11 titres, 11 clips, laissant ses fans sans voix. Ouragan, un album époustouflant dans lequel on retrouve des vidéogrammes bien travaillés, toujours avec subtilité et jeu de mots, Coco Argenté a su joindre paroles et notes musicales. Mais je dois choisir le grand ou le petit bâtard. Yeah. L'artiste n'a pas oublié de valoriser les rythmes dansants de nos villages. Entre Zouk, Bikutsi et bien d'autres, le troisième album Ouragan de l'artiste Coco Argenté est à consommer sans modération. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec... ABK TV, le meilleur de la télé.